Bienvenue dans ce moment dans lequel je vous invite d'ores et déjà à baisser le rideau des paupières pour revenir à vous, quel que soit ce qui se passe dans le monde extérieur, là, et quelle que soit l'ambiance dans votre monde intérieur. Vous revenez simplement à vous-même en accueillant ce qui est là. N'imaginez pas que vous vous connaissez à cet instant, non point. Redécouvrez, comme si c'était la première fois. Qu'est-ce qui est là maintenant en moi? Comment je me sens? Quelles sont les pensées qui circulent en moi? Quelles sont les émotions qui m'animent? Quelles sont les sensations à l'intérieur de moi? Voilà, n'augurez pas que vous vous connaissez déjà. Rencontrez-vous là comme si c'était la première fois. Il n'y a ni bien ni mal. Ce qui est là en vous est là en vous. Ce qui n'est pas là n'est pas là. Permettez-vous d'être dans l'énergie d'acceptation à cet instant de ce qui est là pour vous, en vous. En acceptant aussi ce qui est là dans le monde extérieur à cet instant. Accueillez même la respiration comme elle est. Et vous zoomez davantage sur votre respiration. Redécouvrez votre souffle qui est toujours là, certes, et pourtant, chaque inspiration est neuve. Et chaque expiration est neuve. C'est la chair de votre vie, la respiration. C'est le muscle de la vie en vous, votre respiration. Accueillez votre respiration. Comme si vous accueilliez maintenant un compagnon plein d'amour, plein de respect. Une compagne aimante, tendre. Pleine d'empathie, votre respiration.
Et je vous invite à utiliser votre imagination créatrice pour créer tout autour de votre corps une sphère de lumière, large, spacieuse, intentionnée. Une sphère de lumière tout autour de vous. Devant, derrière, à gauche, à droite, au-dessus de vous, en dessous de vous. Lumière qui contient une énergie de sagesse, d'amour inconditionnel, de conscience. Au cœur de laquelle vous respirez tout tranquillement, en sécurité. Une sphère de protection personnelle que vous intentionnez, que vous créez avec votre imagination créatrice, avec l'intention du cœur. Et vous inspirez la lumière qui est là, au cœur de cette sphère énergétique, emplie de sagesse. À l'expiration, c'est comme si vous expiriez par vos narines et par tous les pores de la peau tout ce qui vous encombre, toutes les interrogations et toutes ces énergies lourdes sortent même de cette sphère de lumière. Vous expirez, hop, toutes les interrogations. Cela sort de votre corps physique, de vos corps subtils, de la sphère de lumière. Comme si ces questions, ces interrogations s'écrivaient à l'extérieur de votre sphère de lumière,
sur un grand tableau noir, ou sur un paperboard, sur un tableau. Et vous respirez tranquillement au cœur de votre sphère de lumière, respirant la lumière, libérant ainsi toutes vos interrogations qui s'écrivent, certes, plus loin de vous, plus loin de vous. Vous inspirez la lumière, vous expirez la lumière. Permettez à la lumière de vous imbiber. Une lumière qui vient du soleil et qui vient même du grand soleil central au cœur de la galaxie. Vous respirez la lumière au cœur de votre sphère de protection personnelle lumineuse. Les questions, voilà, sortent au-delà de cette sphère de lumière. Oui, elles existent, ces questions, ces interrogations. Et hop, elles sont à l'extérieur. Vous n'êtes pas ces questions, vous n'êtes pas ces interrogations. Elles existent. Vous les avez lancées là comme à la cantonade. Et vous revenez en votre centre lumineux, en respirant la lumière. Une lumière qui est l'énergie de votre origine. Une lumière qui vous aime inconditionnellement. Une lumière qui connaît votre dignité, votre royauté, votre divinité, votre véritable essence. Respirez la lumière. Libérez les conditionnements, libérez les questionnements au-delà de votre sphère de protection personnelle. Tout comme un pêcheur à la ligne sur le bord d'une rivière lance sa canne à pêche dans l'eau, vaquant avec confiance à d'autres activités, amenant du calme, confiant dans la perspective
que ce qui adviendra, adviendra au bon moment. Ce pêcheur à la ligne goûte à l'expérience d'être en vie, de goûter la vie. Alors contemplez encore au cœur de votre sphère de lumière quelques instants encore. Vous respirez la lumière. Vous expirez la lumière. Une lumière qui ne veut que vous apporter de nouvelles qualités, de nouvelles ressources, de nouvelles options, de nouvelles réponses. De nouvelles solutions, un élargissement de tout votre champ énergétique, de tout votre champ de conscience. Accueillez la lumière. Comme si vous décidiez là de vous refamiliariser avec la lumière. Une lumière qui parle à votre cœur, à votre âme, à vos cellules, de ce qui est le meilleur pour vous dans cette incarnation, à cette étape du millénaire. Ressentez que vous faites face à cette lumière qui vous imbibe aussi. Une lumière qui ne veut que vous aider à vous rappeler, là, maintenant, ou dans quelques secondes, ce qui est important pour vous à cette étape de votre vie. Une lumière qui va vous faire là réentendre le chant de vos valeurs, ce qui est important, fondamental pour vous à cette étape de votre vie. Une lumière qui répond à la question en vous, qu'est-ce qui est vraiment important à cette étape de ma vie. Et vous permettez à la lumière de vous révéler l'étendue lumineuse de ce qui est fondamentalement important pour vous à cette étape de votre vie. En respirant tranquillement, consciemment. Accueillez tout ce qui monte en vous.
imaginez. Imaginez que là, sur votre champ de conscience, apparaît une porte fermée. Une porte qui est pour vous un empêchement à vous exprimer, à aller vers ce qui est important et fondamental pour vous. Une porte à accueillir. Accueillez simplement en respirant tranquillement. Ce qui est là, tel un paravent, tel un mur empêchant de vous laisser avancer vers ce qui est pourtant important, fondamental pour vous. Telle une limite qui vous empêche d'aller vous exprimer là-bas, de l'autre côté. Accueillez. Accueillez simplement, comme pour découvrir enfin, à nouveau, cette porte qui est là, fermée, et qui a pourtant quelque chose à vous dire. Quelque chose même peut-être à vous demander pour qu'elle puisse se réouvrir au bon moment, de la manière la plus simple et la plus juste pour vous. Accueillez. Accueillez cet endroit de fermeture. Oui, avec cette intention dans le cœur d'aller vers plus d'ouverture. Prenez le temps de contempler, tout en respirant la lumière et en accueillant votre souffle. Car même cette porte, cette limite-là, va communiquer là, avec vous, vous exprimant ses manques, ses besoins, ses désirs, ses reproches peut-être, ses amours peut-être. Accueillez. Permettez à cette zone de fermeture de vous exprimer à sa manière, de vous faire sentir, de vous montrer ses raisons, ses intentions pour être encore là et vous mettant dans la posture qui est la vôtre à cet instant, encore à cette étape de votre vie. Accueillez la compréhension. Votre point de vue et son point de vue, en respirant la lumière, tout en respirant tout tranquillement.
inspirez la lumière. La lumière continue d'être là tout autour de vous. La lumière va même là dans ses images intérieures, dans ses sensations intérieures. La lumière entre en résonance en vous avec ce qui a besoin de ressources, de transformation, de transmutation maintenant. Accueillez la lumière, accueillez ce qui se transforme en vous, ce qui monte en vous, comme si se rangeaient à l'intérieur de vous tous les placards anciens, toutes les étagères anciennes, comme pour recréer un nouveau départ. Vous allez pouvoir avancer dans votre vie avec plus d'ancrage, d'agilité et d'élégance. Dans vos mouvements, dans vos pensées. Pour œuvrer avec un nouveau zèle où les nouvelles collaborations dès aujourd'hui et dès demain goûteront davantage l'énergie de calme. Où de nouveaux câlins vont pouvoir venir vers vous, en vous. Pour que toute l'énergie de lumière qui vous rappelle que vous êtes digne d'être aimé, digne, simplement parce que la dignité est là en vous, puisque vous êtes en vie. Alors accueillez la jubilation de la lumière qui continue d'œuvrer à l'intérieur de vous, réouvrant votre esprit et votre cœur à de nouvelles images, de nouvelles sensations, de nouvelles idées, de nouvelles décisions, de nouveaux choix. Inspirez la lumière, expirez la lumière, accueillez. Accueillez.
Inspirez la lumière. Comme si vous vous mettiez sous la protection de la lumière pour accueillir tout ce qui circule en vous. Tout ce qui se nettoie en vous. Accueillez la lumière. La lumière qui sait ce qui est vraiment important pour vous. Et que vous vous rappelez vous-même, que vous ressentez à nouveau vous-même. De la respirant. Et vos guides sont là avec vous. Les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés vous rejoignent. Comme pour vous prendre dans leurs bras énergétiques. Vous entourez de leurs ailes énergétiques. Protectrice, bienfaisante, câlinante, réconfortante, ressourçante, apaisante, revigorante. Et c'est comme si vous voulussiez être transporté intérieurement vers un autre climat bénéfique pour vous et pour votre vie. Un climat bénéfique pour vos relations actuelles et vos relations futures. Accueillez avec le soutien énergétique de vos alliés intérieurs cette nouvelle direction qui s'offre là, maintenant, tout autour de vous, tandis que vous cheminez sur votre chemin, à votre rythme, en lien avec l'alternance des saisons.
l'intermittence des saisons, les rythmes d'activité et de repos s'équilibrant, se réajustant, pour trancher les liens obsolètes en étant au plus près de votre cœur, en lien avec ce qui est important vraiment pour votre cœur, pour votre âme, pour votre esprit, pour votre corps. Renouvelant ainsi votre confiance intérieure et extérieure. Accueillez. Respirant de la lumière, accueillez tout ce qui circule en vous, qui ne veut que le meilleur pour l'équilibre de la globalité de votre être et de tous les secteurs de votre vie.
Inspirez la lumière. Expirez la lumière. Lumière qui circule au cœur de chacune de vos cellules, apportant comme un soin du baume pour que se redresse tout ce qui a envie et besoin de se redresser en vous, de se réaligner. Pour vous permettre d'avoir les idées claires, le ressenti clair. Le verbe clair. Pour avoir dans vos paroles davantage de justesse et d'élégance. Dans vos mots, de la justesse et de l'élégance. Oui, dans votre verbe et dans votre mouvement. Pour que toute votre créativité soit encore plus claire. Juste, élégante, et que toutes vos relations deviennent davantage élégantes, remplies de justesse, de souplesse, d'agilité pour de meilleures collaborations, et que le calme se diffuse de plus en plus en vous, au-delà des fréquences vibratoires émotionnelles. Accueillez encore quelques instants le souffle lumière en acceptant que vos cellules jubilent d'accueillir la lumière telle un nouveau départ vers le meilleur pour vous et votre vie. Accueillez la lumière. Et rappelez-vous que la lumière vous pardonne déjà pour les erreurs que vous aviez faites. L'erreur est juste humaine. Alors, tout comme la lumière, pardonnez-vous les offenses que vous vous êtes faites vis-à-vis de vous-même. Pardonnez-vous les erreurs passées. Pardonnez-vous vos interprétations erronées. Vous n'avez fait que grandir grâce à tous ces essais, erreurs, réussites, avancées.
avec cette ambiance intérieure, je vous invite à toucher votre corps physique. Votre corps physique qui est un corps rempli d'amour inconditionnel. Alors, quel que soit l'état physique de votre corps, touchez votre corps avec amour, avec tendresse, avec douceur, avec respect, avec puissance juste. Retrouvez votre forme physique qui véhicule l'amour, la créativité pure, l'intelligence, sous ses multiples aspects. Et peut-être que vous pouvez vous serrer vos propres mains, comme si vous refaisiez une alliance avec vous, avec la vie, comme pour recréer de nouvelles relations, déjà avec vous-même, plus harmonieuses, équilibrées, équilibrantes. Inspirez. Créatrice de bien fondé pour grandir en confiance, en conscience. Devenez là votre propre partenaire. Comme si vous étiez en train de sceller là de nouveaux contrats pour signer de votre nom l'œuvre créatrice qui ne veut que émaner de vous sous des milliers de façons différentes, toutes plus lumineuses les unes que les autres, inspirantes pour le plus grand nombre. Et vous savez qu'avec la main avec laquelle vous écrivez, nommée main dominante, vous pourrez écrire désormais de nouveaux chapitres à votre vie, à votre ouvrage en cours et à venir, et que s'écoule de vos plumes un nouveau nectar lumineux, inspirant, qui régalera le cœur des êtres, qui vous entendront, qui vous liront, qui vous verront. Alors imaginez peut-être à cet instant qu'il y a peut-être des bravos que vous entendez quelque part. Ce sont déjà les bravos de vos guides, des maîtres, des archanges. Accueillez ces applaudissements, ces encouragements. Et chaque colibri sur la terre fait sa part dans le grand œuvre de la vie. Alors, quand vous allez rouvrir les yeux dans quelques secondes, vous-même, colibri faisant votre part de contribution au monde, vous pourrez aller vaquer à vos occupations, avec dans le cœur de nouvelles inspirations créatrices. Dans le regard, une nouvelle flamme énergétique inspirante. Dans vos mouvements, une source d'inspiration pour créer de nouveaux équilibres en vous et dans vos relations et avec le monde. Là, dans ce monde où chaque être vivant est confiné, dans un confinement limité sur la Terre de passage.
Alors sentez que vous allez pouvoir décider de vous étirer, comme si vous étiriez vos ailes. En redressant votre tête. Et lorsque vous rouvrirez les paupières, peut-être que vous aurez envie de sourire au monde qui se révèle à nouveau à vos sens.